On souffle sa toute première bougie. Le magazine de l'émotion érotique et de l'amour universel a été lancé sur le net par deux jeunes nordistes d'une vingtaine d'années. Depuis, 20 000 visiteurs y viennent pour se faire plaisir. Ici, par de pornographie, mais de l'art érotique. La nudité féminine est autant présente que la nudité masculine. Les modèles ne sont pas des professionnels et c'est justement ce qui intéresse ces deux compères. Ils essayent de faire ressortir le naturel. Pas besoin de retoucher les photos car cela fait partie aussi du charme. Leur idée est de faire de l'érotisme quelque chose d'artistique, d'épuré, avec du style. Alors pour cet anniversaire, les deux amis ont décidé de lancer une version papier tirée à 69 exemplaires. Tanguy Lécluse a rencontré pour nous le directeur de l'illustration. Lui, il a plein de petites amies. Et non, compte pas, c'est drôle. Alors lui, il a plein de petites amies. Et moi, j'en ai une, mais elle est photographe, donc c'est son métier. Elle me pousse, elle me coach, elle me demande même de faire plus de photos, de produire plus, d'être encore plus dans l'action. Et même des fois, quand elle fait des shootings dans son agence, elle me dit « Tiens, j'ai vu cette nana qui avait des beaux seins. J'ai son contact si tu veux la prendre en photo. » Donc c'est même assez drôle, finalement.